Jeudi, visite des troupes à Cognin. Laurent Pietraszewski vient prendre le pouls des entreprises sur le terrain. Ambiance bon enfant après 3 mois très compliqués. Sur Google, voir vos goûts musicaux, monsieur le ministre. Ah, écoutez, on en parle juste après. Pendant plus d'une heure, le secrétaire d'État à la santé et au travail écoute. Il est avant tout là pour rassurer et encourager cette structure. Ici, nous voyons bien que l'obligation de moyens est tenue, elle est respectée et elle se fait dans le cadre d'un dialogue. Le dialogue social, c'est cela aussi, c'est la capacité qu'on a les uns et les autres à discuter ensemble, qu'on soit l'employeur ou le collaborateur. Cette entreprise d'aménagement a fortement souffert du Covid-19. À l'annonce du confinement le 15 mars dernier, son patron a dû renvoyer ses 7 employés à la maison du jour au lendemain. On voit arriver les choses un 14 mars, on le voit arriver. À 10h, on entend le lundi matin que notre président va parler et on se dit là, ça va se compliquer. Je leur ai demandé à tous de se préparer à ne pas revenir. Mardi soir, qu'on allait arrêter. Nos premiers clients ont commencé à nous dire, vous ne pouvez plus livrer la marchandise, on ne vous autorise plus à venir sur les sites. Commercialement, on ne pouvait plus visiter nos clients. Donc, d'un seul coup, ça s'arrête net. Depuis 4 semaines, les employés sont de nouveau derrière leurs ordinateurs. Respect des règles sanitaires oblige masque sur le nez et lavage des mains régulièrement. Chacune a son petit bidon et chacun l'utilise à sa manière. Et comme ça, au moins, chacun ne touche pas l'autre, le bidon de la personne à côté. Et puis, au moins, on évite encore plus de se partager les produits du quotidien, les classeurs, stylos, ça on fait déjà pas. Et du coup, même le gel, on le partage pas. Anthony Orsenault et son équipe espèrent beaucoup des annonces du président de la République ce dimanche. Ils souhaitent notamment que les règles sanitaires soient assouplies pour relancer pleinement son entreprise.